L'économie européenne est partie, hélas, pour une croissance modeste, voire médiocre, et donc il faut aller chercher la croissance là où elle est, c'est-à-dire ailleurs qu'en Europe. Je crois que c'est très très important de vraiment s'immerger dans la culture locale, donc d'envoyer des gens à nous, d'envoyer des Belges sur place, mais de compléter cette équipe avec du personnel local en qui on peut avoir confiance, le cas échéant avec un partenaire local, ce que nous avons fait en Chine. De Afrikaanse landen beginnen terug middelen te krijgen, aangezien hun schuldlast toch zwaar verlicht is. Aannemerij is risicovol, risicovol voor het, wat, voor de uitvoering van het werk die wij aannemen. Maar vooral is ook risico het politiek, de politieke stabiliteit of onstabiliteit. De betalingsgaranties zijn niet altijd even correct nageleefd. En daar kan Credendo, speelt Credendo een heel belangrijke rol. Aangezien zij bij eventueel dramatisch aflopen van een bepaald project, zij kunnen de garantie geven aan ons dat wij gaan overleven op dat project en niet onze eigen balans in gevaar zullen brengen. Ook het feit dat de financiële informatie rond de bestaande ondernemingen of onze potentiële klanten niet zo vrij toegankelijk is of te verkrijgen is. En vandaar dat we eigenlijk heel vaak beroep doen op de lokale diensten van Credendo om ons te informeren over de kredietwaardigheid van die klanten. Bij een aantal van onze investeringen in het buitenland, waaronder Slowakije en China, hebben we inderdaad aftrekking gehad met eerder lokale politieke risico's. En dit soort risico's worden ook op een vlotte manier ingedekt door bepaalde diensten van Credendo. Credendo intervient à trois moments. Le premier, lorsque le client, le partenaire vient, on analyse la situation dans le pays où il veut exporter. C'est ce que j'appelle la partie préventive. Deuxième phase, Credendo examine le montage du dossier, les aspects financiers, les aspects contractuels. Et à ce moment-là, nous intervenons de deux manières, soit en couvrant le risque que notre exportateur ne soit pas payé pour l'une ou l'autre raison, ou soit en aidant à ce qu'il puisse obtenir un financement plus facilement, en octroyant par exemple une garantie. La troisième chose, une chose est-ce que le pays est bon, la deuxième est-ce que mon client va payer et mon dossier est bien monté, mais malgré tout ça, parfois les choses peuvent tourner mal. Et à ce moment-là, ce que le groupe Credendo fait, c'est travailler pour récupérer, indemniser d'abord le client qui n'a pas été payé, et puis ensuite lancer la procédure pour pouvoir récupérer les sommes qui n'ont pas été payées.